Merci Pika. J'arrive déjà, vous inquiétez pas. Installez-vous. Et bonjour tout le monde. Comment allez-vous en ce jeudi après-midi? J'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller, ça peut aller. Je vais raconter, hein, juste après. Du coup, Livan, ne prends pas ton bon coin. Pas de soucis, Clem, pas de soucis. Excusez-moi. Vous avez un chat qui se trouve sur la droite de votre lecteur pour discuter en paix, avec l'amour, un joie et la bonne humeur. Aujourd'hui c'est compliqué aujourd'hui les gens. Aujourd'hui c'est compliqué. Hier, les copains m'ont dit, ouais, Oliver, tu devrais te mettre à PoE, c'est cool, tout ça, tout ça. Donc j'en ai déjà fait avec eux avant. Et du coup, je me suis remis à PoE. Le souci, c'est que ben, j'ai arrêté de jouer à 5h du matin, que je me suis levé à 8h30 du matin, et que je me suis remis sur PoE. Donc ça me prend beaucoup de temps. Et il y a eu la mauvaise nouvelle de la journée. Niajidan nous a annoncé qu'il avait rasé sa barbe. Et ça... Je vous avoue que ça fait mal, hein, pour le clan des barbus, ça fait mal, ça fait mal. Bonjour à toi Rajman, bonjour Rafleter, bonjour Jax, bonjour Clem du coup, bonjour Cassi, bonjour Maître Soda, bonjour Alex Click, live de Cotorep. Et tu vas te calmer? Rip sa barbe, ouais, rip sa barbe, ouais, carrément. Bon, du coup aujourd'hui on va se faire du Fortnite, on se retrouve pour deux petites heures. Ensuite, vous avez Oro sur la Nvidia GeForce FR qui vous fera du Fortnite aussi. On retrouve ensuite Pika Poneur de 19h à 21h sur la Nvidia GeForce FR. Et ce soir, vous retrouvez Alex Click. Oui, 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 Alex Click, il va mieux. Normalement, il live ce soir. J'étais avec lui ce matin, il est plus en forme. Souci aujourd'hui aussi, je n'ai plus de voix. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Compte T9, je voulais mettre PO, ça m'y compterait. Ouais, c'est ça, ouais.
C'est ça. Hop, on lance le jeu, comme d'hab, hein. On a la bourre, c'est pas grave. Hop, on coupe le son. Avec lui, il va faire un live dans ses toilettes et me dire. Ah, c'est pas très rigolo, mais non, non, non. Savez, c'est pas bien de se moquer des gens. Le pauvre. C'est le Vindicator, comment ça va? On aura peut-être Popoche, hein. J'ai demandé à Popoche de venir. Il m'a pas répondu. Il a fait comme s'il m'entendait pas. Donc je sais pas. Hop! On passe ici, impeccable. On met le son, tout est bon. Voilà. Impeccable. On en est où? Butin. Est-ce qu'on a quelque chose à prendre? On n'a rien à prendre, on n'a pas de V-Buck. Ça, c'est pas un souci. Les talents. On va voir de la recherche. La banane, la pêche, la bonne humeur, la joie de vivre. Bah oui. Impeccable. Il faut, il faut. Et toi, Lapinou? Comment ça va? 1600, 3002. Normalement, c'est bon. Normalement, on peut prendre le petit survivant. Qu'on a débloqué, que l'on a dans la section. Ici, en gadget. Hop, impeccable. C'est quoi? C'est de la vie? Le bonus PV on a déjà. On peut en mettre un au hasard en soi. On a quoi? Dégâts des balles? Ça c'est quoi? Il en faut 3. Dégâts de mêlée, est-ce qu'on en aurait assez? Non. On va mettre celui-là. Et on va direct l'up. On va mettre niveau 10. Mais non, on peut pas. Moi aujourd'hui j'essaie d'avancer mes propres quêtes d'elfe de bouclier 2 de Villeplanche. Ah! Bon ça va, tu avances tranquillement. C'est bien. Je mets juste le chat. Hop, voilà. Coucou Karim Chantilly. Comment ça va? Impeccable. On va inviter Popoche direct. Hein. On va pas lui laisser le temps de. Il est en mission, mais. Voilà. On l'invite. C'est pas grave. Qui c'est qu'on a qui joue? On a tous les copains qui y sont, Nairou, on va la laisser tranquille. T'es pas tout, il est 39. 39, on l'a invité. Rafleter. Tous ceux qui veulent rejoindre, vous connaissez, vous me rajoutez un ami, Oliver Staton. Je vous accepte, y a pas de souci, vous venez et ça sera impeccable. Ça va, je te remercie. J'ai trop de retard, j'ai trop faim vu la conso de balles de larmes. Ah oui, ouais. Oui, avec ta batteuse. Enfin, je crois que c'est toi qui as la batteuse. Avec la batteuse, ça met du temps. Et coucou Iriel. Mais du coup, on va voir la quête streamer. Trouver les journaux, donc ça on va pouvoir le faire assez facilement pour vous. Ça va vous débloquer des quêtes comme ça pourra vous faire gagner de l'XP. Merci Soda pour les 1000 bits. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'es malade. Faut que t'arrêtes, hein. Je vais t'engueuler après. On est bon. Au niveau des quêtes, on en est là. Pas de cause perdue. Sauver 15 survivants. Oh là là. 15 survivants, terminer une mission, réparer le refuge dans une zone 28 ou supérieure. Putain, c'est des trucs chiants ça. C'est des trucs chiants. Oui, ma petite batteuse, sinon je viendrai peut-être après la défense. Ouais, pas de soucis. Punis-moi, mon amour. Calme-toi, Soda. sauver des survivants et refuge. Est-ce qu'on a une mission sauver des survivants? Il y a un level? Il n'y a pas trop de level. Mon amour. Oui, non, il troll. Et réparer le refuge. C'est bon, il y en a pas non plus. Oui, ouvrir. Accepter. L'impression que ça va être là. Ah non, réparer. Attends, c'est réparer ou. Oui, réparer. Donc c'est bon. Réparer le refuge 23, réparer le refuge 28. Mais c'est le live et le chat de l'amour ici. Exactement. Exactement. Refuge level 28 uniquement. Yep. Iriel, hop, on prend. N'hésitez pas, normalement je suis en public, ouais ça. Je suis en public, vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de soucis.
En vrai, c'est pour m'excuser d'hier, j'ai zappé de t'envoyer le script. Ah oui! Moi, j'avais zappé aussi, hein. Mais c'est vrai que t'as oublié. T'auras qu'à me l'envoyer si tu veux tout à l'heure, ou même là, hein. Je suis en occupé, donc y'a pas de soucis. Ok, Pato il nous rejoindra plus tard. Qu'est-ce qu'il fait pour poche? Il est encore en mission ou... Attendez, est-ce qu'on peut rejoindre Popoche sinon? Il est en quoi? Puissance recommandée 58. Oh. Attendez, on va. Je te rejoins juste après, Iriel. Je sais pas si tu vas être avec moi. Bah, attends, je vais t'inviter au pire. Je sais pas si tu vas kiffer. Mais non, il y a du monde. Je te réinvite juste après, Iriel. Désolé. Juste faire chier Popoche. Oh, ça met des cœurs. C'est quoi ce cœur? Il a qui? Je connais pas. Attendez. On va faire un truc. C'est que le... Hey, Popoche! Ah, il est là. Tu voulais pas me répondre tout à l'heure, hein? J'étais pas là. Ouais, c'est ça, ouais. Tu voulais pas venir avec moi, en vrai. Si. Je t'ai rejoint. Yeah, j'ai vu ça. C'est un peu haut level, mais il me faut des survivants. Embêter Popoche, un tel plaisir, je te comprends. Bah oui, hein. Si on l'embête pas, après, il est de mauvaise humeur. On va peut-être pas jouer avec les ennemis, par contre. Mais il était avec moi hier soir jusqu'à 5h du mat, du coup. C'est un peu la fatigue. Oh, vite fait. Oh, il y a des mobs. Alors là, le but, les gens, c'est de courir. Juste courir. J'arrive à la fin, c'est nickel. J'ai toujours un mauvais cul. Salut à toi, ça ressemble. Ça va bien et toi? Oh, pas passé. Allez, poche. T'es où? J'arrive vers toi. Aïe. Ah oui, d'accord. T'as gros toute la map, quoi. Non, j'ai que deux mobs au cul. C'est pas moi ça, hein. Salut Dartex Live. Comment vas-tu? Mais c'est un petit. L'autre il m'a lâché, mais j'ai un petit au cul. Autant de toi, avec une patate. Ouais, non. Je fais pas de dégâts. Oh! C'est ouf. Faut deux. Aïe. Faut deux chargeurs pour buter un mob. Aïe. Un mob. Oh, ça nickel, Dartex. Je te remercie. C'est la misère, ces maps. Ces maps, hein. Bon, ça va. C'est des missions qui sont assez sympas à faire. Bah, t'es le level 38 aussi. Yep, yep. Je regarde où c'est qu'il y a d'autres survivants, mais. Il y a une zone pas explorée là-bas.
me fais peur. Arrête avec tes pétards là. Je peux y aller coucher. Y'a un mob, un mob. Mais c'est en dessous, pourquoi je viens là moi? Oh. Je récupère les journaux pour que les gens ils aient la quête. Je crois que j'ai des pétards aussi. Pétards c'est par rapport à ton level ou c'est par rapport au level des mobs? Non c'est... oui c'est ta puissance en fait. Ah ouais, je fais pas de dégâts. Nice. Je cherche d'autres survivants, mais... Soirée privée, tu n'ombres pas. Il y a des baskets. T'approche pas. La cible est sous contrôle. Tiens, une cible. Bah, t'en veux déjà, je peux t'en donner. Aïe! Oh! J'ai pris vite life! Elle est folle elle! Aïe! Oh, mis un petit! Saloperie! Écoutez, ma vie! Ah, j'ai plus de vie! Oh, mais c'est les mobs! Oh, j'en avais jamais vu! Les mobos ils tapent pas très fort. Les pires c'est les faux. Je me fais défoncer. Nutella a trouvé un camp. Nutella? Ah non, Nuléa. Ah pardon. J'ai plus de pétards. C'est vraiment pas des zones pour moi. Voilà, on sauve les survivants, ça va assez vite. Ouais, ouais. Combien de fois je me suis retourné dans cette situation, faire face à une horde d'ennemis au level, courir, marche arrière, et tomber dans le bide. Ah non, j'essaie de faire gaffe à ça. Pff, je fais pas de dégâts. Toutes les agros et là maintenant on va voir Popoche. Et on lui dit Popoche, j'ai les copains derrière. Je vois pas tes copains. Non, ils sont partis. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont fait roufler, je crois. Ah non, saloperie. Quoi? Ça va, t'as pas utilisé 3 chargeurs. Bah non.
tu t'améliores, tu deviens de plus en plus puissant. C'est un chargeur de 100 balles. Ah oui, c'est vrai que ça. On a plus de ressources. Mais du coup, les survivants, ouais, je sais pas où sont les autres. Peut-être sur les bords de map en bas. Ouais, généralement c'est ça. Ah bah. Moi je te dirais une 35. L'utilité est plus trop là. Ça gaspille trop de balles ce truc. Ah, c'était pas lui que je voulais faire. Ah bah ouais, mais je peux pas l'aider. Il est sur la gamta ? Non, même pas. Normalement quand ça sera fini, je serai là. Ah oui, j'ai mon... Ah bah attends, il y a l'autre qui est en train de faire des bisous avec un gros là. C'est son copain. Nice. Heureusement. C'est fini. Ça va, 45 000 d'XP, c'est pas dégoûtant. Ouais, je prends 10 de moins, mais c'est normal aussi. Tick-off niveau 2. Salut à toi, Skullfox, comment vas-tu? Genre ma copbug, le seul jour où je peux mater tes streams. Ah! Y'a des rediffs, hein. C'est pas grave. Oh la malachite! C'est pour ça que tu l'as fait la mission en fait. Exactement. J'en étais sûr. J'ai besoin de recrafter mes armes donc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh vas-y, allez, je vais le faire. Ouais. Ah bah c'est toi qui es l'élite du groupe. Ouais mais non je te le fais. Yep, attends je vais juste réinviter Iriel, inviter dans le groupe. Et il nous en manque un dernier si quelqu'un veut nous rejoindre. Iriel, il est là-bas Iriel, on va aller le chercher. Bonjour Iriel. Bonjour. T'as bien? Salut. Ça va, ça va. Un dernier, qui c'est qu'on a? N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez les gens, au moins level 20. T'en devras aller après. Je pense qu'on va lancer comme ça. Je vais mettre en ami seulement. Autoriser les amis. D'amis, oui. Hop. Mission réparer le refuge. Ça c'est chiant ça. Un peu long à faire. Ouais. Et t'as ça à faire en ce moment? Ouais, faut que je la fasse. Réparer le refuge 28 et sauver 15 survivants au cours de mission accomplie. Bon, ça va. Ouais. Ah, ça y est, je suis enfin passé puissance 39.
Merci pour les follow. Je vous rappelle d'ailleurs, si je vous le mets, il y a le concours encore jusqu'à demain soir 23h59. Vous avez toutes les infos là-dessus. Il y a deux packs fondateurs à gagner pour Fortnite. Le tirage s'effectuera samedi dans la journée. Allô. On est que des ninjas quoi. On me le refuge là-bas. Ah, fait que je trouve des bornes d'arcade, ça tombe bien pour ça là-dessus. Moi, c'est les camions de pompiers. Bah, j'en ai vu un camion de pompiers. T'en faut deux, non? Trois, mais. Ouais. J'en ai deux pour toi. Ah, bah, c'est gentil, merci. Dites-moi si vous m'entendez bien, sinon je monte leur son. Normalement, ça devrait être bon. Zone 3 est toujours inutile. Popoche? Non, c'est pas inutile. On va pas dire ça non plus, mais c'est un peu plus compliqué en fait. C'est que les missions sont pas assez diversifiées, je pense. D'accord. En fait, au départ, elles sont assez diversifiées. Là, par exemple, j'ai une mission, ça doit être faire des combattre la tempête catégorie 4. Oui. Donc tu les fais, une fois que c'est fait, bah, tu repasses à une autre mission et au bout d'un moment, ils te redonnent juste à faire, faites tant de missions à tel niveau. D'accord. Donc, c'est là où c'est un peu moins diversifié. Après le reste, ça va. Le gros souci, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs pour faire les quêtes. Ouais, oui. Le combattre la tempête catégorie 4, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le faire. Ouais, donc c'est un peu emmerdant du coup. Ah oui, t'as déjà lancé ça. Ouais, je vais retourner dans assez de trucs sur la route. Ah, il va y avoir aïe mon œil. Oui, malheureusement. Le relou quoi. Aïe. What? Avec un trop beau pouvoir d'arriver, normalement on va avoir l'apparition de tout. Tiens, cadeau. J'essaie de construire un peu. Pas mon œil, putain. Je sais même pas si je vais avoir assez de ressources en fait. Mais du coup, ouais, la zone 3 est farmable du coup. Pas de soucis. Il y a des missions, elles sont pas ouf, mais il y en a. Oh, j'ai plus de. Est-ce qu'il y a quand même pas mal de pierres pour upgrade mais... J'arrive. Sans prendre des raids, hein, je pense.
Vous en avez combien de trucs? 3? 3, il y en a plus. Pour zone 3, faudra peut-être attendre la prochaine mage. Ouais, c'est possible que ça soit modifié. Ça, niveau précision, c'est... Ouais, une porte qui apparaît juste à côté du camp. C'est sympa. Le scan de Robovoir est prêt à être activé. Protégez Robovoir pendant son scan. Silence, je regarde. Je regarde. J'ai plus de pierre. NP. Ah, se débrouiller. J'ai mal compris ce qu'avait dit Ariel. Il a plus de pierre. De bière, moi j'avais compris. Moi aussi, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. La réponse reste la même. Merci Bobby la frite. N'hésitez pas à parler dans le chat les gens. Je vais pas vous manger, vous inquiétez pas. Si c'est Popoche qui vous fait peur, il est pas méchant. Hein. Bon, on se prend une vague, elle vient d'où? Que de... Ouais, que de là. Non, je m'en fous. Oula. Ça devient bizarre. Ah merde, ça vient d'au-dessus. J'avais pas prévu ça. On va leur faire une descente. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai peur du carnet, mais non, faut pas. J'ai pas mon pistolet. J'ai déjà pris dans son carnet. Et c'est pas grave, hein, j'ai expliqué à mes parents que c'était pas de ma faute. De toute façon, c'était le professeur qui était méchant. N'importe quoi. Il prend même des exclusions pour poche. C'est pas faux. On va se faire défoncer en vrai. Ouais.
Peut-être dites-moi si vous voulez les gens qu'on se fasse une heure sur Fortnite et une heure sur PoE. Comme ça je peux continuer à farmer. Sachant que j'ai un build dégueulasse. Hein. J'lève le bras et ça fait tout pour moi. Pourquoi pas. On va faire ça, je pense. J'essaierai de farmer un peu sur Fortnite aussi. Hors live. Moi, ça me dérange. Pas, je t'écoute juste. Ok, nice. Un bull kill droit, quoi. Oh, quasiment. Quasiment. Même pas, je... Je clique même pas. Je mets mes charges. Je mets mes charges et je cours. Ça va, ça a pas l'air trop compliqué. Ah non. Clairement pas. Deux gros sur le... sur robot, va. J'arrive. Tu dis quel spell? Je suis en Blade Vortex. Mais je vous expliquerai tout ça après, si vous voulez. Mais je suis une bille, hein. Ça qui est rigolo. Préparer une... Putain, mais je suis une bille, même dans ce jeu, quoi. Préparer une recherche de stage, c'est... Thank you, le live, ça occupe en fond. Ah oui. Bon, les recherches de stage, ça va encore. Et non, ça va très bien. Bérangère qui s'inquiète pour rien du tout. Bérangère, tu l'appelles? Ouais, je l'appelle Bérangère. D'accord. Bah, il pourrait s'appeler Bérangère. Je savais pas. Je... C'est noté. Maintenant je saurai. Moi je suis plein de dossiers de technique suite à un stage. Ah ouais, ça. Bah, vous me voyez un peu plus bas aujourd'hui, c'est parce que je suis affalé comme un sac dans ma chaise. Ah bah bravo. Bah oui. Quel exemple de jeunesse. Il faut bien. La jeunesse elle est déjà cassée. Ah, il y a un fantôme. Oui. Ah, oh, joli là. Il est mort. Et salut toi, Bernite. Comment ça va? J'ai sauté dans le vide. Moi je débute ma sieste, ah mais bravo. T'as sauté dans le vide. Mais oui, parce qu'en fait si tu veux j'ai récupéré le truc du module là. Et je me suis dit oh bah vas-y, je vais accélérer pour pas me taper les bugs. Bah... Y'avait un crew. Aïe. Ce qui est embêtant c'est que je perds de la durabilité sur mes armes. J'ai déjà pas beaucoup de réquisition sur moi. Ça va, il fait frais aujourd'hui, il fait 25. Ça va. Moi j'ai... Ouais, ça, 26 dans le studio. Mais il faisait pas beau ce matin. Et le soleil s'est levé là à 13h. À peu près. Oh la limite de construction. Aux poches. Il a explosé. Hein? Moi je suis à 37,5. Quoi c'est? Ah, en tempé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte?
reste que 82 balles. Hein. Ah ouais, genre toi t'es comme ça toi. Salut Robac, comment vas-tu? Non, moi il fait gris, c'est triste. Ah! Non, moi c'est grand soleil! -33 degrés ici, ouais, grand soleil, je dirais. Qui fait presque bon. Oh, 33 ça va encore. Il suffit juste de pas être trop vêtu et puis ça passe. Hein. 33 c'est la canicule. Mais non, 33 ça va. Ah, attention, 33 ça va. Hein. Tu te mets des fringues en main. C'est bon. Ouais, ou rien. Il fait gris, du vent vers chez moi. Ah. Vous habitez où? Vous habitez où les gens d'ailleurs? Enfin vers où hein? Je vous demande pas votre adresse exacte. Hein. C'est nul, je peux même pas dans ma piscine. Ouais. Toulouse. Ah, Toulouse, pas loin. C'est bien, Toulouse. Belgique. Belgique, il y a la bière. Les gaufres. Et les frites. Et c'est tout. Montpellier. Réunion. Oh, Réunion. Est-ce qu'il fait beau en Réunion? Ah, enfin un cadet, c'est bien ça. Grasse, ouais, Italie, Toulon, Saint-Malo. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la Bretagne, ouais. Bon, on n'est pas tous chanceux. Je rigole, hein. Albi. Albi, stop, il y a le circuit là-bas. Il fait froid, c'est l'hiver. 20 en pleine journée. Ah ouais. J'allais dire, vas-y, tu m'invites et tout, mais... 20 degrés, ça caille un peu. C'est bien, j'y étais plusieurs fois. Je prenais le bateau là-bas. Pour la Corse. Pour moi, 20 degrés, c'est une bonne température. Ouais. Oui, ça dépend pour qui après. Aïe. On en parle des inondations récurrentes dans le sud, alors que Bretagne-Normandie, c'est très très rare une inondation, sans compter qu'au total, vous avez plus de précipitations à l'année. Je dis pas le contraire. Ah, mais elles sont diffuses. Mais elles sont diffuses. Moi, chez moi, Pau, il me semble, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais pendant un temps, c'était la ville de France où il pleuvait le plus au niveau de la quantité. Et sauf qu'il pleut... Moi je vais exagérer, hein. C'est, il pleut 10 fois dans l'année, mais quand il pleut sec quoi. Et. Quand, dans le, chez nous, il pleut moins en quantité, mais plus longtemps. Ouais, ouais. Narbonne, il pleut jamais, c'est parfait, grand soleil et tout. Salut à toi, Drac.
Ah mais d'ailleurs. Je crois que vous l'entendez. Il pleut. Ah. Tu vois, chez nous, il pleut pas. Ah, c'est bien pleuvoir. Donc finalement, on a un meilleur été en Normandie que... Il pleut bien. Il y avait grand soleil tout à l'heure, mais là, il pleut. Bah, il est monté. Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il y a un sauve les survivants? Je suis sûr que ça fait pas trop de bruit pour vous, en tout cas. Et sauver les survivants, il me dit pas le quel level. Il était 23 le premier, t'es sûr? Est-ce que c'est peu importe? Moi ce que je veux bien c'est de l'XP de survivant, priorité. Le XP de survivant? Bah, j'en ai en 19, si tu veux. Il y en avait en 28 aussi de l'XP de survivant. En 28? Ouais. Il me semble que j'avais vu sur la 28. Ah ouais. Go. C'est mieux la Bourgogne, il pleut du vin. Bah tu sais, moi j'habite à Pau, j'ai Jurançon juste à côté, il y a du vin blanc. Vous demanderez à Niège-Dan, mais je pense qu'il s'en rappelle. Hein. La Bourgogne. Je pique à ça. Pardon. Merci pour les follow les gens. Hop. Let's go. Sauver les survivants. Je pense que c'est déjà par un gros camp. Enfin, déjà c'est moi. Ah mais j'ai plus de balles moi en fait. Hein. Est-ce que j'ai une arme de... Salut monsieur Dino, comment ça va? Allez. Pourquoi lui monter sur la tête? Ça va nickel. Hey yo Gaiden, comment vas-tu? Tu sais dans le sud, il y a beaucoup de vin aussi. Ah oui, clairement, clairement. Il y a du bon. Ça va avec Gaiden, tranquille, tranquille. Il est survivant par là. Il t'en faut combien de survivants en tout? 15 je crois et j'en avais déjà 6. Un truc comme ça. Ouais, garde ça tranquille. Il est... Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il est là. C'est Silverail. Silverail. Je sais pas. Ah, il faut la. La bleue bleue. Ouais, j'en ai un. Il en faut deux ou trois, je crois, non? Ouais, deux, ouais. Deux. J'en ai une. Je vais en avoir une. Ouais. Oh, cette chance. Je dois faire les bandes d'arcade et je suis tombé sur une salle de bandes d'arcade. Honnête. Pas une salle, une sorte de bar quoi.
Bon, j'en ai eu deux. C'est chiant ça. Il manque une bleue hit. Il arrive. Ah, tu arrives ? Ok, nickel. Bon, je te laisse la mettre. Tiens, ça, dispo. Ouais, ouais, ouais. Ajoute-moi un ami. J'ai mis ami uniquement. Tu m'ajoutes un ami, je t'accepte et y'a pas de soucis. Oliver, c'est à ton. Comme partout. Ouais, je suis à 12 sur 15. Ça va. Plus 3 en plus à sauver. Sachant qu'il y en a un, il faut lui parler. Oh, quelqu'un veut être ami avec moi. Il est où lui? Il est en haut en bas? Je sais pas, mais c'est la survivante 4 qui est en exclamation. Il y a rien en bas. Oh, je sais pas. Ah, ça, du coup, c'est la survivante 4. Ouais. Ouais, ami... survivante 4, il peut pas être pour l'instant, c'est ce que c'est dit. Vous avez un survivante 4 là? Ouais. Ah ouais, c'est pour moi là. Ce mec est Twitch. Je te mets en principe. Ouais, moi je vous ping le butin. Y'en a, ils sont trop rapides à faire, y'en a, ça fait 3 heures. Hein. Ah oui, non, mais celui-là il est fini. Ah non. D'accord, y'en a un là. Et attends, c'est qui était en. Et Argawen, ça finit quand le. C'est quand la fin de l'hiver pour vous? Vers début octobre, d'accord. Bon, ça va. Il y en a un autre qui me fait un double hit là. Bah, nous en fait, avec l'été qu'on a. Je sais pas quand c'est qu'on aura notre hiver. Hein. Enfin, notre été aussi d'ailleurs. Il t'en manque un. Ah, il manque encore un bleu litre. Ah, mais un soyez. Ouais, je suis en train de le faire. Ah bah souvent, tac. Période pour venir en vacances, si c'est novembre, t'as plein de fruits, il fait bon. Ouais bah. Ouais, je sais. Ouais, puis comme ça en plus ça commence l'hiver en France. C'est top. Ouais. Yop, Pato, comment ça va? Oh. Merci beaucoup, Nephilim3335 pour le sub qui rejoint la Staton Family, merci beaucoup. C'est extrêmement plaisir.
Non mais c'est toi Oliver qui m'a donné ma quête. Ah peut-être. Je t'ai donné une quête et t'es en train de la faire? Bah j'ai fini. Au final ça va spammer donc. Ouais ça va. Tu viens 6 mois juste le temps qu'il fasse meilleur en France, ouais. Après, j'ai aucune idée de l'ordre de prix des billets. France... France Réunion. Hop. Ça ne se demande pas, Néryon. Il y a un concours auquel tu aurais pu participer. Mais ça ne se demande pas. 73 lamas, 3 golds, comment dire, je suis au fond du trou. Ah ouais. Putain, j'ai mon arme invisible. T'as déjà vu ça? Ton arme en invisible? Ouais, je la vois pas. Je vois juste l'effet de givre dessus, mais je vois pas l'arme. Merde. Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça, mais j'ai jamais eu. Ouais, je passe à le retour. Ah, mais... si, là, ouais. Bon, encore une borne d'arcade à trouver. J'ai pas d'arme dans les mains, mais... mais j'ai de la fumée. Aller-retour, je crois que si tu le prends tard, ça coûte entre les... ouais, 1200 euros. Ah oui. Ah, ça fait un bout aussi. Hein. Après, si tu t'y prends tard, si tu t'y prends vachement à l'avance... t'as moyen d'avoir des bons prix. Ouais, au lieu de payer 1000 euros, tu paieras 997. Non, mais t'as toujours le moyen de gruger, tu sais, en faisant 40 millions d'escales avec des micro, des mini compagnies là. Truc où t'es pas sûr d'arriver. C'est ça le problème. Bah, si t'arrives. Si t'arrives, mais sans les bagages. Ouais. Et le truc, t'arrives à t'en sortir, tu fais des bonnes économies. Segment. 1200 euros, très bon prix. Après, t'as les compagnies low cost. Ouais, 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 c'est ça. Tu trouves le truc, t'as 4 escales de 3 heures ou 4 heures chacune. T'es dans des avions blindés, tu sais. Limite, ils ont pas de foutre dans la soute à bagages. Tu veux le rouler, parle au survivant, parle au survivant. What? C'est qu'un survivant. Ah, y'en a en bas. Okay. Tu viens en bateau. T'en as pour plus de temps. Puis je pense que le prix, ça te revient pas loin du même. Corcha, mon char que j'ai trouvé, c'est 1300 par personne. Juste le vol, pas toi? Encore, on avait réglé longtemps à l'avance, ouais. Ok. Ouais, que le vol aller-retour. Ok, ok. Moi j'aimerais voyager un peu, mais pff, ça coûte une blinde quoi. Je pars au Tilde. Ça coûte très très cher. Ouais. Après, il y a le voyage, mais il y a le logement sur place aussi. Bah, il y a le voyage, il y a le logement, il y a la bouffe, enfin la vie quotidienne ouais, donc, quoi en soi. C'est plus cher quoi, mais c'est vrai, le logement et le voyage c'est beaucoup plus cher. Tout ce qui est. Qui est la bouffe et les à côté, genre si tu dois te prendre un petit taxi ou une connerie comme ça, ou si tu veux te faire un. Ouais, ou si tu veux te faire un petit resto, une sortie. Ou... ça, ça coûte une blinde. Tout a l'air si simple avec vous. Non, moi je voyais souvent.
Des fois, je vais chez mon boulanger. Je vais au supermarché. Ouais, ouais. Ça coûte pas si cher que ça. Hein. C'est des bons voyages. Et tu vois du pays en plus, hein. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est rentable. Avec 90 centimes, tu voyages. 90 centimes, t'as quoi? Chocolatine? Une baguette? Ah d'accord, j'ai mon chat qui m'a dit non, tu joues pas. Il vient de s'allonger sur mon bras. D'accord. Ouais, la Réunion, la vie est un peu plus chère qu'en métropole. Oui, non, non, mais après, pas spécialement en parlant de la Réunion. Il y a plein d'endroits comme ça. Un truc tout con, hein, je vais te dire. Moi, je partais souvent en Corse. Parce que j'avais de la famille là-bas. La vie est plus chère en Corse. Tout ce qui est de la bouffe, tout ça, tout ce qui est produit ménager. Tout est plus cher. Sauf les clopes. C'est... C'est fou quand même. Ouais, mais bon, si tu dois faire la traversée juste pour aller acheter des clopes, c'est pas rentable. Oui, non, non, et puis c'est pas aussi peu cher pour que ça soit assez intéressant comme ça, quoi. C'est pas l'Espagne, quoi. Ah oui, non, clairement pas. De toute façon, faut pas fumer. Bonjour Ariel, tu viens me sauver, je suis un survivant. Ah, bon, bon, tu te débrouilles, si t'as survécu jusque là. L'essence moins chère aussi. Où ça, en Corse? Je sais plus. Trop pas. Si t'habites en Corse, en fait, il faut pas manger ni boire, il faut juste rouler dans la 4x4 en faisant le job. Paris, je crois, c'est le pire. Bah, Paris, c'est au niveau des loyers, après. Au niveau de la vie, tout ce qui est la bouffe et tout, c'est pas plus cher. Les boulangeries sont quand même plus chères, je me rappelle quand on était en... Enfin, c'est pas Paris, c'est en région parisienne, la vie est plus chère. Oui, les artisans. Ouais, en règle générale, c'est un chou-là plus cher quand même, ouais. Pas énormément, ça vaut pas... Cher. Ton café que tu payes 20 euros. Ouais, bon après tu prends pas tous les jours un café sur l'avenue des Champs-Élysées non plus. Non, vaut mieux l'éviter, ouais, c'est vrai. De toute façon, tu le sens quand même passer. Ton café à goutte d'or. Ouais, l'essence est moins cher à la Réunion. Ouais, parce qu'en Corse c'est cher. Quant à l'Espagne, bon, l'Espagne c'est beau mais que sur les côtes quoi. Le centre de l'Espagne c'est désertique, hein. Et vraiment. L'Estonie c'est pas cher non plus. Hein. Ouais, jamais été dans les pays là. Mais l'Espagne ouais, c'est un vrai désert. Quand j'ai traversé pour le Portugal, oh là là, t'as comment on appelle ça? Bon, c'est clairement, presque des villes en fait. T'as des baraquements d'immeubles. Mais je sais pas, il doit y avoir 5 ou 6 immeubles de 4 ou 5 étages avec je sais pas combien d'appart dedans. Et c'est tout vide, c'est abandonné. Le truc c'est tout neuf, hein, mais c'est même pas habité. Parce que les gens avaient investi énormément quand c'était. Quand les loyers étaient pas chers. Ouais, ouais, bah y a eu le. Le plop. Tout a perdu. C'est désertique. C'est vraiment pas beau. En Espagne, après, t'es tranquille au niveau du prix. L'essence moins chère. Les clopes moins chères. L'alcool moins cher. La bouffe moins chère. En Espagne, il y a des villages entiers en vente. Ah oui, oui, oui. C'est ouf, hein. Ah, j'ai plus de balles. Heureusement qu'on va arrêter après celle-là. J'ai plus de balles. Les dames sont moins chères. Ah, dame pipi. Ouais, tu payes moins cher. Attention.
Ouais, c'est ça, Exo. Puis y a moyen de se taper des super bonnes soirées. Comme je dis, on en parlait avec les potes là. De l'équipe. Moi j'avais loué une baraque avec des potes, on avait fait. Ça devait coûter que dalle qu'on est resté 2 semaines là-bas. Si on a dépensé allez. Si on a dépensé 500 balles chacun, c'est énorme. Pourtant on avait. Pardon. On avait une baraque immense avec piscine, tout ça. 50 mètres de la plage. On a bouffé. Enfin voilà, on en a fait la fête. Hein. Mais. Ça coûtait que dalle, quoi. Pour 2 semaines, c'est rien. Victoire. Nice. Pardon. Hop, 10 000 XP. Pas dingo. On prend les points quand même. Impeccable. Du coup, on va faire une petite pause, les gens. Petite pause de 5 minutes. On va regarder les points de talent qu'on prend, tout ça. On va se faire une petite pause de 5 minutes, puis on va changer de jeu, du coup. On va passer sur PoE. Hop. Bon, bon. Club de golf. Bravo. Nice. C'est horrible, ce son. On débloque ça. On débloque ça. Et celui-là, on pourra la prochaine fois. Nice. Ça sort pour 2 semaines. C'est clair, ça vaut le coup. Ah oui, clairement, clairement. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Rien, le club de golf. Et c'est tout. Le défi. Ok. Impeccable. Du coup, hop. Ici, on ferme. Oui. On passe là. Du coup, on se fait une. C'est quoi PO? C'est Pass of Exile. C'est. Comme Diablo, si tu connais, on va dire. Entre gros guillemets. Du coup, on se fait une petite pause de 5 minutes. N'hésitez pas, si vous voulez participer au concours, vous avez vu le lien là qui a été mis par le bot. N'hésitez pas à follow Twitter, YouTube, tout ça, tout ça. Je vous dis à dans 5 minutes. Le temps d'aller boire un coup, manger un bout. A tout de suite. Top of mountains, lay down in the sand. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the palm of your hand. I dive into the ocean, lay underneath the skies. But wherever I go, oh, as far as I roam. We'll be right back.
watch flowing rivers pass. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the sound of your laugh. I've walked over plains and deserts, journeyed for miles and miles. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the light of your smile. On est en train de tout préparer, on change de titre tranquillou, on fait tout ce qu'il faut, hop, POE, POE, on est nickel ici, on est bon là, on va lancer le jeu, ce serait bien de lancer le jeu déjà, hop, on se démute. Alors pour ceux qui ne connaissent pas POE, attendez, je vais aller vous chercher, pour ceux qui ne connaissent pas POE, je vous invite à aller voir les vidéos que vous ont fait Pika et Niège-Dou qui se trouvent sur la chaîne de Pika. Je vais vous mettre la playlist. Hop. Normalement. Voilà. Hop. Je vous mets la playlist dans le chat. Pardon. Voilà. Ça, c'est la playlist de Pika. Il vous explique sur le jeu. Les builds, les trucs, les gemmes, tout ça, tout ça, tout ça. Il vous explique vraiment tout. Alors nous, on va lancer. Pourquoi c'est mis en fenêtré ? Option. Non. Full screen, s'il te plaît. Merci. Du coup, on va faire la scène. On se met là. On enlève. Fortnite, hop, ajouter une capture de jeu. Hop, et on la descend ici. Impeccable. Alors, je sais pas si on va être bien placé, on va peut-être se bouger, bouger le gobelet, tout ça, tout ça. Du coup, save. On sort de là, login. Et on se connecte.
Alors, comment on est? On va se décaler. On va se décaler. Hop. Le gobelet, on va le mettre par là. Avec ça dedans. Et nous, on va se mettre. On va se mettre là. On va se mettre là en plus petit. Voilà. Ça ira très bien. On va bouger le gobelet. Ça devrait être bien. Impeccable. Donc. Ah, mais il y a le. Oh, on a l'overlay. Attendez. Bon, c'est pas grave. Il y a l'overlay. Voilà. On se met. L'overlay. Twitch app. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a un build qui s'appelle. Je veux dire le nom. Parce que du coup, moi, on m'a tout donné. Hein. J'ai fait mon petit ignorant. On m'a tout donné. Et je suis en mode streamer là-dessus. Général, tout, mode streamer, désactivé. Hop. Ça s'appelle. Hey guys. Hop. Giving Blade Vortex another shot. Donc, vous allez voir. On va les farmer tranquillou. Je vais pas trop savoir vous expliquer. On a un peu de stuff que Niajdan nous a filé pour Pex pour le moment. Salut Icapic. Comment vas-tu? On a un peu de stuff que Niajdan nous a filé pour Pex. Donc on a nos sorts. Donc c'est avec des gemmes, tout ça. Tout vous est expliqué dans les vidéos de Pika. N'hésitez vraiment pas à aller voir si vous voulez apprendre le jeu. Tout est super bien expliqué. Pika et Niaj vous expliquent tout. Et c'est vraiment top. Donc on a nos gemmes qui représentent nos sorts en fait. Hein. On a le Blade Vortex ici. Avec les attributs. Les supports dessus. On va les faire mouiller tranquillou. On continue de Pex en fait nous. On a des missions à faire. Et du coup, on y va. Hop, c'est par là. Vous allez voir, c'est dégueulasse. Faudrait peut-être faire ton lab. Je sais pas. Faut que je vois avec mon prof. J'ai Pika en prof. Et je vois avec. On a Pika et Niège dans l'équipe qui sont vraiment. Vraiment top. Ah, attendez. Faut que je mette en QWERTY déjà. Voilà. Alors enlève les bras. Dites-moi si le son est pas trop fort. Enlève les bras et on avance. Faut juste qu'on stack en fait. On stack notre Blade Vortex. Vous le voyez ici en haut. On le stack. Et après en fait on a juste à avancer. Et ça tape les mobs tout seul. Donc c'est ça c'est bien. Je suis assez rapide. Moi j'aime bien le build. Le build me plaît pas mal. Donc on va continuer. Et tu es level 46. Le lab normalement level 33. Surtout VV. Pour les labs c'était easy. Ouais possible. Tu sais moi j'écoute quand on me dit. Faut quand même relancer régulièrement. Relancer quoi? Allez stack? Ouais pour le moment ouais, faut relancer assez régulièrement. Je sais pas. S'ils m'entendent, je sais pas s'ils sont sur le live, s'ils m'entendent, de toute façon ils vont savoir me dire s'il faut que j'aille faire mon lab ou pas. Je crois que j'ai pas fait tous les labyrinthes. Et au niveau de la vie, tant qu'on n'est pas sur des gros mobs, on est assez tranquille. Donc c'est vraiment de l'avancement là. C'est du farm. Blade Vortex, il y a un build pour farm le Burlob en moins de 5 minutes, c'est nimp.
On stack, on y va. Selon l'aspect, le premier labyrinthe peut être vraiment intéressant. D'accord. Ah, je sais pas, faudrait que je joue avec eux. Être statique pendant le stacking n'est pas trop problématique. Oh non, ça va. En vrai, ça va. Je sais pas si tu vois ma barre de... Ici. Ici, j'ai le point de... Regardez. J'ai le point, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que j'ai pas de... Après, c'est tout en anglais. Vous savez bien comment est l'anglais. C'est encore pire que vous. Oh, c'est... Oh, pas tôt. Ah, tu regardes. Je bouge pas, je fais mon stacking. Même là, je bouge pas. J'ai pas de soucis, quoi. Vous pensez que je dois faire mon lab? Dites-moi. Si vous pensez ça, je vais farmer les, ce qui me manque pour aller le faire. Hein. Pour le stream, c'est mieux de mettre les options Show Life, Mana Level. Ah, ouais, attendez. Je vais vous faire ça. J'ai jamais streamé ce jeu, donc je sais pas. Attends, on va se mettre là. Option UI, ça va être par là. Voilà. Moi je vous écoute. Hein. Vous me dites faut faire ça, je fais ça. Si vous faites des conneries, hein, ce sera votre faute. Hein. Tu pourrais nous envoyer ton build pour voir. Wop. Il est où? Celui-là. Ce que je fais, c'est ça. Oui, le premier lab, tu peux, je pense. Ok, ok, ok. Attendez, j'en mets juste ça. Impec. C'est un build vortex. Ouais, c'est un blade vortex. Build blade vortex. Vous savez, pour le moment, on m'a dit, tu farmes. Moi, je farme. Salut à toi, Arkane. On va aller voir ça. Attendez. Parce que du coup le... C'est pas ça, ça. Labyrinthe c'est... C'est... Là je crois. Puis je dis pas de bêtises. Mais il nous en manque. Il nous manque un. The Catacombe. On va y aller. Personne pourrait m'aider in-game, j'ai débuté ce matin chez l'acte 3, j'ai une quête qui me demande de faire le labi
Mais avec mon vieux build, je me fais limite one shot par les boss. N'hésite pas à aller sur. Sur le curse. Sur le. Twitch. Sur le Twitch app. Tu trouves le lien avec l'onglet curse juste en dessous du lecteur. Je pense que tu trouveras du monde, sans souci, pour t'aider. Il y a des canaux qui sont réservés à PoE. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Ce catacombe sonore, je crois, c'est catacombe, je sais plus. À plus, cela, des bisous. Ok, thanks, je vais chercher. Bonne PNP. Je crois que c'est là, ouais, c'est ça. Si vous avez des astuces ou quoi, n'hésitez pas. Je viens de voir le bonus offert pour le premier level, la partie gauche de l'arbre est bien. Faut que je regarde. Aïe. Faut que je regarde. Tu, c'est mon. Genre mon build. T'en es où dans le jeu toi? Je suis à l'acte 5 là. J'avance tranquillou. La partie gauche, t'y as dit ça? Partie gauche de l'arbre est bien cool. Elemental damage, attaque and cut spell. Ouais. Hop. Moi je suis nul, hein. Pareil je vais mourir.
D'accord, y'a rien ici. Aïe. Ridge Providence. J'ai aucune idée. Mettez-vous d'accord et vous me dites. C'est vrai que les deux sont sympas. Je me rappelle plus des boss. C'est large en fait. Impossible. Je sais pas. On commence par Ridgeus Providence. Le lab mode no brain. C'est pas ma faute. Vous savez, hein, je prends ce qu'on me donne et j'avance. Hein. Je suis bête. On me dit tu farmes ? Ok, je farme. J'ai commencé hier après le stream, vers 17h à peu près. Attention à ne pas mourir sur les pièges. Ouais. Vers 17h. J'ai farmé jusqu'à 5h du mat du coup. Donc 12h. Enfin un peu moins, 4h. Ouais. 11-12h on va dire. Skip les ennemis, tu es seulement pour régénérer les popos si tu gagnes. Ok, ok. Après, il n'y a pas de... Si tu le fais plus vite ou quoi, t'as pas de bonus. Je sais pas ce que tu as déjà dit, mais j'arrive. Tu montres quel build Blade Vortex. T'as le lien de mon build ici. Hop.
parti. On va prendre un côté. Ça faut le faire, non? Je fais attention à ma life. C'est pas grave, on va le refaire. Je suis plus occupé de regarder où c'est qu'il y a le levier que de faire attention à ma vie. Du coup, je suis mort. Nul, hein. Nul, nul. On va le refaire, on va le rusher un peu plus. On va essayer de moins taper les mobs. GG. Là, je vous l'ai dit, hein, je suis pas piqué au nuage d'âne. Oh, y'en a là. Bloqué de dehors. Peut-être par l'autre côté, faut y aller. Je sais pas ce que ça donne ces trucs là. Ça donne un truc bien. Mais j'appuie sur ma. Bon, les piques ils pardonnent pas. On va s'en foutre de ça. Je sais pas si c'est utile. On va arrêter de faire les cons en voulant y aller trop vite en plus. Est-ce que c'est tout le temps le même schéma? Non. Voilà, c'est le truc. Vous me confirmez que c'est pas obligatoire, hein, ça. Le truc à côté duquel on vient de passer. Avec les labs 3.0, bien raccourci. D'accord. Non, ça change, ouais. Okay. Non, pas obligatoire. Ok, on trace. On trace, on trace. On va arrêter de faire les... Les guignols. Reste quasiment le même, mais il y a des petits changements. D'accord, ok, ok. Pardon. Sinon, gros changement tous les jours. Ok, ok, ok. Attention, on va tracer, on va essayer de trouver direct la prochaine porte. Ça, on a dit, on s'en moque. Ouais, vous les...
Pardon. Question con, tu peux tomber dans le vide? Non, tu peux pas tomber. Eh bien. Et combien de fois tu dois passer au boss? 3 ou 4? Je sais plus. Tu n'as pas le G-Doc pour les bulles de Niagden sous la main? Ouais. Attends, je te chope ça. Je l'ai. Hop, je l'ai là. Voilà, là vous avez les builds que Niagden avait préparé. Il avait un peu regardé tout ce qui se faisait. Et il vous a mis des bons builds. Ah, j'ai pas remis mon. Ça. Trois fois, d'accord. Je t'en prie, Vindicator. Pardon. Parce que j'ai. Alors là, on va essayer de pas se refaire avoir par les pics. Une potion. Ah, il y a un chemin ici. Non? Oh non. Prends ton temps sur les pièges. Yep. Il faudrait. Ça, on s'en moque. On a dit. Attendez, on peut quand même passer. Non. Faut pas aller là. Oliver. Là. On se casse. C'est par là. Donc là, c'est la dernière fois qu'on le rencontre, hein. Vous me le confirmez.
Après, tu as la salle où il faudra choisir ton nom. Ascendi, ok. Non. Ah, y a pas un truc aussi où on peut ouvrir des coffres? Merci. C'est ici? Non, ça se pourrait être un enchantement. Mais je sais pas quoi enchanter, moi. J'ai pas... C'est pas une pièce finale, donc... Faut que je fasse quoi? Je suis perdu. Ça, c'est l'enchant. Et du coup, on peut faire sans enchanter? Ah, c'est ici. Alors, attendez. Moi, c'est... C'est celui-là. T'as juste tes gants à faire de toute façon, les enchantes sont pas faux. Ok. Et donc on m'a dit, je vais où? Religious Providence, ici. Attendez, faire quoi? Je fasse quoi, Ascend? Moi je suis perdu, hein. Je te suis, Jay. J'attends que tu me dises. Ou quelqu'un d'autre, hein. Clique sur Ascend. Ok. Ah oui, voilà. Et du coup, là, je mets un point pour aller vers là-bas. Ah bah, je peux le prendre direct. Ok. Happy Point. Mais là, étant donné que c'est pas mes pièces à moi, je sais pas si je les enchante ou pas. Ça peut se changer après ou quoi? Dites-moi. Parce que c'est pas mes, c'est pas à moi tout ça. C'est prêté. Oui, en faisant le lab, ça change. Ok. Non, mais de toute façon, je peux pas. Comment tu fais pour le... Au pire, c'est un effet rajouté. Take a reward as paid when it... C'est ici, c'est ce qu'il fallait. Regardez pas mon coffre, c'est le bordel. ça là, je le garde. Je le mets de côté, je crois. Après, va dans le wiki pour savoir ça correspond à quoi. Ouais, je regarderai. Je regarderai.
On va retourner en 5 du coup. Alors on avait quoi? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Attendez, c'était lequel? C'était... Kid Factor Mount. Travel to Licari. Je vous écoute. S'il faut faire autre chose, vous me le dites. Pour l'instant, on fonce. Ok. Donc là, je pex. Juste, je pex. Je pex, je fais les quêtes. Va t'amuser avec le boss. Je sais pas où il est. Là, tu n'as plus qu'à suivre l'histoire et à faire de l'XP. Ok, ok. Un petit build mixeur comme ça. Salut à toi. À dehors.
pas là qu'il faut qu'on aille. Travel to the Rolicory. Oh, j'ai pas fait gaffe à l'heure. On va se laisser. On va se laisser là. Ouais, j'essaie juste de trouver. Peut-être déborder un petit poil. On va juste essayer de trouver le. Holy quarry. Blade Vortex, ça fait mixeur. Ah oui. Ouais, ouais. Oh, sympa. J'aime bien. C'est rigolo. Je vois arriver vers Oro. Oro qui est sur la Nvidia GeForce FR. L'Oliquary est dans la zone avant. D'accord. Ok, ok. Bon, j'irai. Merci pour toutes vos infos en tout cas. Faut que tu tues le boss avant, je pense. Ok, ok. Je vérifierai tout ça. Je sais pas si on s'en refera demain. Je pense que il y a moyen qu'on annule Fortnite pour faire ça demain. On verra. De toute façon, vous serez informé par Twitter. Nous, on se laisse là. Je vous mets le concours pour Fortnite, hein, donc c'est pas pour ce jeu, pour Fortnite. Au cas où, si vous voulez participer, Fortnite, hop. Non, c'est concours, je suis bête en plus. Concours, voilà, vous avez le concours si vous souhaitez participer. Nous, on se laisse là pour aujourd'hui, on se retrouve demain de 14h à 16h également. Là, vous avez Oro sur Nvidia GeForce FR qui fait du Fortnite je crois. Vous avez Pika ensuite de 19h à 21h qui vous fera du PoE sur Nvidia GeForce FR. Et vous aurez Alex ce soir qui vous fera surprise, je ne sais pas, de 21h à minuit. Moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne après-midi en compagnie des copains. Et je vous dis à demain. On se voit demain. Bon après-midi tout le monde, des bisous et ciao.